Par ce temps qui court marqué par la globalisation de tous les systèmes, l'appel le plus pressant qui résonne dans le fond de chacun de nous est celui de nous mettre au service de l'humanité. Cet appel est tellement fort qu'il nous pousse à nous engager nous-mêmes et à engager notre vie comme une mission pour le bien de la communauté universelle. Dieu nous envoie. C'est d'abord, elle est d'abord de Dieu. La mission vient de Dieu. C'est Dieu qui nous la confie, qui la confie à l'Église. Et l'Église la confie aux congrégations, aux charismes, etc. Tant il est vrai qu'autrefois, Don Bosco avait un cœur qui avait accumulé durant des années les ardeurs apostoliques de Saint François Xavier, bien que n'ayant jamais effectué une seule mission, il est cependant vrai qu'il était un vrai missionnaire, un apôtre dévoré par la passion des âmes. En cela, la mission salésienne est universelle. Et les consécrations. Tout salésien, tout fils et fille de Don Bosco est un missionnaire. Et donc, la mission s'étend partout. On n'est pas missionnaire seulement quand on va dans un autre pays. Même en étant sur place, comme nous le disons dans le langage courant, donc la mission ad intra. Quand je circule dans toutes les œuvres salésiennes de la RDC, eh bien, j'admire cette volonté, cet effort, cette audace de la part de la famille salésienne de pouvoir travailler rien que pour le bien des jeunes. Sur place à Kasenga, le père Paul est en mission. Il fait face aux réalités sociales et culturelles de son propre pays. Il est 8h du matin. Il doit commencer la journée par la célébration eucharistique. Après cette célébration, il doit chercher de l'eau pour le poste de mission. Don Bosco, Dama, il a choisi une catégorie de population, c'est-à-dire les jeunes. Donc nous nous adressons spécialement aux jeunes et aux jeunes les plus pauvres, en commençant par celui qui est vraiment dans la rue pour arriver à celui qui est à l'université. C'est pour aussi susciter cet élan missionnaire, cette vocation missionnaire parmi les jeunes, cet esprit de sortir de nous-mêmes et d'aller vers les autres. Pour le pape François, nous sommes tous disciples missionnaires. Les membres du Conseil missionnaire national ont approuvé ainsi le thème, tous appelés et envoyés pour le mois d'octobre en République démocratique du Congo. Déjà autrefois, Don Bosco a mûri et approfondi progressivement dans sa vie le besoin de la mission avec l'envoi de la première expédition missionnaire le 11 novembre 1875. À partir de notre Seigneur Jésus d'abord, qui est notre missionnaire par excellence, comme notre modèle. Et la mission de la congrégation salésienne, elle est partie de notre fondateur. C'était la vocation de Don Bosco, notre fondateur, qui voulait aller lui-même d'abord en mission. Il avait demandé, il voulait aller même dans la congrégation des Oblats missionnaires. Mais il n'a pas eu cette occasion, il n'a pas eu cette possibilité. Peut-être il y avait des gens, il manquait des gens qui pouvaient l'éclairer sur la mission, pour aller en mission. Mais il a mûri cette vocation missionnaire en lui. Nous pouvons nous rappeler, il a été ordonné le 5 juin 1841, Don Bosco. Alors il avait cette vocation, vous voyez, c'est après beaucoup d'années que cette maturation s'est réalisée. Les expéditions successives ont été enregistrées avec le temps. Le charisme salésien pouvait alors s'inculturer. Don Bosco parle encore aux jeunes aujourd'hui. Don Bosco veut former les jeunes, veut éduquer les jeunes, veut leur transmettre des valeurs aujourd'hui. Il a transformé cet ordinaire en extraordinaire. Le temps passe, les circonstances changent, les événements se succèdent, les réflexions se font et les propositions se prennent pour maintenir vivant l'esprit missionnaire de la congrégation. Pour arriver à comprendre les jeunes, les réunions se tiennent partout et à tous les niveaux. Ici, nous sommes à Addis Abeba dans une réunion pour la pastorale et l'animation missionnaire salésienne. C'est un moment de rencontre de la famille salésienne, un moment d'échange, un moment de réflexion sur le système préventif de l'éducation salésienne. Cette rencontre a regroupé l'équipe chargée de l'animation missionnaire salésienne et celle de la pastorale salésienne en Afrique. Célébrer le bicentenaire de la naissance de Don Bosco, c'est célébrer la joie. La joie d'être missionnaire, disciple de Jésus-Christ.
ce moment était aussi celui de partage d'expressions culturelles. Les jeunes doivent se donner auprès des autres. Et ici, concrètement, à l'école, nous nous réunissons avec ces jeunes au moins deux fois, comme nous sommes au début, deux fois par semaine. La petite chapelle, nous faisons la prière et les jeunes donnent des propositions, ce qu'elles veulent faire ici à l'école. Parce que, comme on dit, on est missionnaire d'abord dans son milieu. Alors, avec elles, nous cherchons à leur donner ce sens de donation totale. D'abord ici à l'école, qu'est-ce qu'elles font concrètement? Vous voyez les jeunes missionnaires, comme nous avons commencé le mois missionnaire, ce sont elles qui animent la prière. Elles animent la prière devant la grotte avec les autres. Et puis nous faisons le partage de la parole de Dieu. Quelquefois il y a des emplois qu'elles font. Là où les autres n'ont pas fait l'emploi, les jeunes sont là, les missionnaires sont là, ils ramassent un peu les papiers, ça et là. Et ce qui m'a impressionnée auprès d'elles, elles-mêmes ont proposé, elles ont dit, « Sœur, au début de cette année, s'il y a moyen de viser déjà, voir qu'est-ce que nous pouvons faire en concret, hein, une sorte de camp, comme nous l'avons fait à Kasenga pendant les vacances. » Donc elles-mêmes ont proposé, si nous pouvons faire quelque chose, donc chercher à se cotiser, comme ça qu'on réalise une action concrète, soit au bon milieu de l'année ou bien à la fin de l'année. Bon, je les ai écoutées d'abord parce qu'il faudrait que l'idée vienne d'elles-mêmes. Il ne faudrait pas que moi je puisse les imposer. Il y a aussi ce que nous appelons la journée de solidarité, la journée d'amitié. La journée de solidarité, nous avons été à Kilobelobe. Avec les jeunes, nous avons été à Kilobelobe, nous avons vécu un temps là, c'est-à-dire nous rassemblons, nous récoltons, nous faisons la récolte des biens matériels, les habits, des sacs de farine, d'huile, nous mettons ensemble pour aller aider nos frères et sœurs qui sont dans les besoins. Et cette année, nous étions à Kilobelobe. Il y a une journée d'amitié, amitié missionnaire, partage et amitié missionnaire. Et après, nous clôturons l'année par une évaluation pour regarder les 15 activités proposées par la congrégation. Est-ce que nous avons rassemblé, est-ce que nous avons réalisé les 15 activités de la congrégation sur la mission dans ces documents que nous avons, les documents rouges, la formation missionnaire salésienne. Il y a 15 activités proposées pour que l'on puisse dire qu'on puisse parler de l'animation missionnaire dans notre congrégation. Mais sur 15 activités, nous avons réalisé au moins 11 activités. Le père Jean-Claude Kayumba, provincial des Salésiens de Don Bosco de la province salésienne d'Afrique centrale Maria Assunta, a dernièrement assisté et participé à l'envoi missionnaire de deux autres Salésiens de Don Bosco de la province. Nous avons eu la joie de donner deux missionnaires cette année. Deux missionnaires. Alors, moi j'étais présent, j'ai tout fait pour être présent, pour accompagner donc, nos deux missionnaires que nous avons donnés. Il y a un qui va au Venezuela et notre au Sri Lanka. Et donc, c'était un moment de joie, un moment de prière, un moment de partage aussi sur la dimension missionnaire. Alors, non seulement qu'il y a eu des Salésiens qui ont été envoyés en mission, mais il y a eu aussi des filles de Marie Auxiliatrice qui ont été aussi envoyées. Et aussi des laïcs, des volontaires, des laïcs, des jeunes gens, des jeunes filles qui étaient là, présents pour être envoyés en mission. Ça, c'est un témoignage formidable. Fort de la célébration du bicentenaire de la naissance de Don Bosco, deux expériences du volontariat missionnaire ont été exécutées. Il s'agit du camp missionnaire qui a vu les élèves du secondaire, les grands missionnaires, se rendre à Kasenga du 20 au 27 juillet 2015. Ces missionnaires ont pu rencontrer les membres de CV, ils ont rencontré les personnes qui souffrent, ils ont rencontré aussi les gens qui sont en prison. Donc ici, là où nous sommes, nous faisons la première communauté chrétienne. On se réfère à la première communauté chrétienne comme missionnaire. Et les gens sont surpris. Vous êtes jeunes, vous avez quitté vos maisons, vous avez quitté le confort, si je peux dire ainsi. Il y a Vanessa qui me disait,
Tu t'oublies un instant et tu penses aux autres. Donc la vie, ce n'est pas seulement bombashi, j'étudie, je finis et puis je travaille. Non, la vie ne s'arrête pas ici. Dans ce monde, il y a des gens qui ont vraiment besoin de nous. Donc ces gens-là, ils attendent que nous puissions être là. C'est une expérience que j'encourage au moins que plusieurs jeunes, ceux qui peuvent donner de leur temps pour les autres, qu'ils soient vraiment encouragés. Et cela, c'est une façon aussi d'évangéliser, comme nous le souhaite le pape, aller dans les périphéries. Partout, missionnaire, au téléphone, missionnaire. Donc, pour un missionnaire n'a pas de repos. C'est vrai qu'on doit toujours se reposer, mais un missionnaire n'a pas de repos. Quand tu appelles pour la mission, il faut partir. Il s'agit aussi pour les étudiants de leur envoi missionnaire en ville. Une première expérience a vu le jour ce 4 septembre. À cette occasion, le jeune Ezekiel Chibango a été envoyé en mission à Lubumbashi. La messe d'envoi a été célébrée par le père Jean-Claude Kayumba, provincial des Salésiens de Don Bosco de la province d'Afrique centrale Maria Assunta. Cette messe a été concélébrée par le vicaire provincial Albert Kabougué, responsable de la pastorale des jeunes et en même temps chargé d'animation missionnaire dans la province d'Afrique centrale Maria Assunta. Le bracelet missionnaire lui a été remis, ainsi que quelques symboles missionnaires, à savoir les images de Marie Auxiliatrice et de Don Bosco. Ici à Bakanga, quand je suis arrivé, on m'a demandé de venir ici au dispensaire. Au dispensaire, il y a un groupe d'ouvriers. Je me suis rallié à ce groupe et nous sommes en train de travailler. J'ai été d'abord très content d'être ici. Parce qu'ici, il y a d'abord beaucoup de petits-enfants. Il y a aussi des grands jeunes aussi. Mais avec les petits-enfants, ce qui me plaît, c'est que, pas seulement avec les petits-enfants, même avec les grands jeunes, si vous voyez la proximité qui existe entre nous, on n'a pas besoin de révérence ici. Donc ici, les jeunes t'appellent par ton nom, par un sobriquet qu'eux-mêmes te donnent. Et tu sens maintenant que si un jeune te donne le respect, c'est en tout cas, il n'y a pas de flatterie. Même quand c'est la nuit, lorsque je suis dans la chambre, je me demande quand est-ce que ça sera le matin pour que je puisse être au dispensaire avec les jeunes que nous avons déjà internés ou ceux qui viennent. Dans un itinéraire missionnaire, les Salésiens de Don Bosco de cette province veulent développer l'esprit du volontariat missionnaire. Le défi de cet appel est d'étendre la mission partout en République démocratique du Congo où est signalée la présence salésienne, de l'Est à l'Ouest. À l'Est de la République démocratique du Congo, dans la province du Sud Kivu, est signalée également la présence salésienne, à Uvira. La bonne pastorale fait naître les vocations du volontariat. Et quand il y a le volontariat passe du côté de l'animation missionnaire. Ce sont les confrères et les consoeurs, après avoir reçu ces jeunes ou ces membres de la famille salésienne qui ont cette vocation du volontariat, l'animation missionnaire les suit et les prend en charge pour pouvoir les former dans le volontariat. Donc c'est susciter l'esprit de la solidarité, l'esprit de la gratuité, l'esprit de la générosité, donc l'esprit d'être attentif à la souffrance des autres, à la misère des autres, l'esprit de pouvoir partager le peu que nous avons. Ce n'est pas tout simplement partager le matériel, c'est partager aussi notre connaissance. Les jeunes de la famille de Dieu qui est à Lubumbashi pouvaient alors s'ouvrir au volontariat missionnaire. Ces jeunes missionnaires se sont laissés toucher par ce style de vie simple, sobre et solidaire. C'était vraiment une très bonne chose pour moi de découvrir cet endroit, de savoir comment les autres vivent, savoir les conditions de vie des autres, apprendre à vivre en famille. Et nous avons eu à accepter les conditions dans lesquelles nous avions été reçus. Ce n'était pas vraiment très agréable là où on était logé, comme on habitait, mais vu que c'était dans le cadre de la mission, on a accepté cela. Ce n'est pas vraiment qu'on accepte n'importe quoi, mais quand on est en mission, on doit être au service des autres, au service de ceux qui sont proches de nous. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu vas vivre, quelles que soient les conditions qui vont se présenter, on accepte de vivre avec parce qu'on se dit que tout est grâce. Pas seulement aux jeunes, M. David. Donc le volontariat missionnaire, eh bien, c'est une forme d'apostolat. Ouais. Que l'Église reconnaît, que la congrégation reconnaît. Ouais. Et la congrégation aujourd'hui insiste beaucoup
sur ce volontariat missionnaire. C'est-à-dire, nous devons apprendre aux jeunes d'être généreux. Petit à petit, quand j'ai expliqué, en donnant même des exemples de certains jeunes missionnaires qui quittent l'Europe, qui viennent ici pour se donner aux autres, même en donnant l'exemple des anciens, donc de ceux qui ont déjà, les jeunes qui ont déjà fait beaucoup d'années dans ces groupes et qui réalisent certaines actions concrètes. Un exemple concret que nous avons vécu à Kasenga pendant les vacances, c'est que les jeunes ont pu faire eux-mêmes quitter ces beaux milieux, aller dans la périphérie pour pouvoir se donner aux autres. Les jeunes se sont cotisés. C'était pendant quelle période? Plusieurs d'entre eux étaient des finalistes. Ils attendaient les résultats des examens d'État. Mais ils se sont privés de ce plaisir-là. Donc, ils ont dit, nous partons en mission. Quand ils sont arrivés à Kasenga, les résultats des examens d'État les ont trouvés là-bas. Et ce qui était beau, tous ceux qui étaient présents, en tout cas, ils ont satisfait. Donc il faut toujours distinguer ce volontariat, le volontariat international et le volontariat local. Le volontariat international, c'est qui vient de loin. Nos frères et sœurs qui viennent de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie, et qui viennent mettre de leur temps chez nous pour nous apprendre certaines choses, pour nous apporter la bonne nouvelle, pour nous éclairer sur certaines situations. Je m'appelle Bénédicte, je suis volontaire ici à Lubumbashi depuis bientôt 6 mois. Je travaille au bureau salésien des projets, au provincialat Don Bosco. Et j'habite à Bakanjaville, au centre de premier accueil des enfants en rupture familiale et sociale. La mission, c'est aussi un travail. Comme on est là en tant que chrétien, c'est vraiment de mettre le Christ au centre et d'essayer de tout lui offrir parce qu'on est envoyé en tant qu'humain avec nos faiblesses, avec nos misères, mais de faire les choses pour lui. Pour les autres, de le chercher dans les autres. Et on est là pour servir. Et puis, au-delà de la mission avec les Salésiens, il y a aussi tout ce que je partage avec les frères et sœurs de la communauté de l'Emmanuel. Il y a le groupe de prière du lundi soir, il y a le week-end communautaire, il y a depuis quelques temps les visites aux malades à la clinique universitaire. Là où se trouve le jeune, c'est là que se trouvera aussi le salésien de Don Bosco et la fille de Marie Auxiliatrice. Nous qui sommes acteurs de la paix, de tous les consacrés, pas seulement les salésiens, mais nous sommes des acteurs de la paix, des acteurs attentifs, surtout dans le domaine de la jeunesse. Nous voyons ce qui se passe. Oui. Nous voyons comment les jeunes se comportent aujourd'hui. Nous lisons, nous analysons la situation de notre société pour découvrir justement les problématiques, les problèmes des jeunes. Quels sont les problèmes des jeunes aujourd'hui? Les Salésiens de Don Bosco vivent, travaillent et s'engagent à répondre aux nombreuses nécessités et problèmes posés par les jeunes de la République démocratique du Congo et même d'ailleurs. Le père Donatien Mambepa est prêtre du Seigneur, salésien de Don Bosco de la République démocratique du Congo. Il est de ceux-là qui se sont laissés toucher par la sensibilité missionnaire. Il est en mission au Mozambique, affecté à la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Au début, on s'est dit non, ici, ils ne sont pas très traditionnels. Mais c'est faux. La tradition est là. Mais avec des noms un peu, on peut dire, un peu christianisés, on peut dire comme ça, de messe, de... mais qui font... Des cérémonies, tout ça, oui, des rites, tout ça, parfois. Moi, au début, j'ai une bonne messe. Et puis tout d'un coup, avec des amis, je me dis, mais cette messe, qu'est-ce que vous faites? Alors, ils commencent à m'expliquer. Alors, moi, comme prêtre, qu'est-ce que je faisais parfois? Et quand on m'invitait dans l'histoire, je savais déjà ce qu'ils faisaient. Alors, je disais, comme chrétien, il y a certaines pratiques, certains rites qu'on ne doit pas faire. On est envoyé en tant qu'humain avec nos faiblesses, avec nos misères. Mais de faire les choses pour lui, pour les autres,
de le chercher dans les autres. Et on est là pour servir. Si il est vrai que Don Bosco n'a jamais effectué une seule mission, il est cependant aussi vrai que son cœur missionnaire est une flamme qui ne s'éteint pas dans le cœur des Salésiens de Don Bosco et des filles de Marie Auxiliatrice d'hier et d'aujourd'hui. Cette flamme est entretenue par la présence de jeunes partout dans le monde. Ce monde est donc la terre de mission pour les Salésiens de Don Bosco. Si Don Bosco était vivant aujourd'hui, était ici aujourd'hui, il ferait de même. Alors, la fameuse phrase, non ? Que lui-même a donné, a proposé pour justement traduire sa sainteté. Donc, faire des jeunes, de bons chrétiens et d'honnêtes citoyens. Ouais. Et c'est cela qui... Donc, à travers cela, Don Bosco a transmis un idéal.